Salut tout le monde, c'est Jolat, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc cette fois-ci ce sera un jeu d'horreur, on va se plonger dans l'obscurité. Plus précisément l'obscuritas. Donc avant tout je voudrais dire un grand merci au développeur Visgame. Disons que je fais partie des quelques privilégiés qui ont pu avoir un accès à la bêta. Le jeu sort dans 2 jours, donc le 18 mars. Il sera au prix de 20€ sur Steam et ça fait bien plaisir. Et du coup depuis que j'ai entendu parler de la sortie de ce jeu, bah je crois bien que c'est un des jeux que j'attendais le plus quoi. Et on va pouvoir se tester ça bien tranquillement. Donc comme vous le verrez, j'ai ressorti le fond vert. Je me suis dit, jeu d'horreur oblige, faut qu'on se plonge dans l'ambiance. Donc je voulais pas trop obstruer l'écran avec ma caméra quoi, je me suis dit que ça va le faire quoi. Vous savez très bien qu'avec mon éclairage c'est pas toujours le top avec le fond vert, mais je ferai de mon mieux pour faire un truc propre au montage, vous inquiétez pas. Allez on est let's go, nouvelle partie. Chère Sarah, tu ne te souviens certainement pas de moi. La dernière fois qu'on s'est vu, tu venais de fêter ton 2e anniversaire. Peu de temps après, il y a eu une grande dispute dans la famille. Et ton père et moi ne nous sommes jamais reparlés. Mais il y a quelques mois, je suis tombée gravement malade et j'ai appris que ton père nous avait déjà quittés. J'ai alors réalisé que je ne pourrais jamais me racheter de mes erreurs passées. Si tu lis cette lettre, c'est que j'ai perdu mon combat contre le cancer et que je ne te reverrai plus jamais. Je n'ai jamais été là pour toi au cours de ma vie et je ne pourrai jamais combler cette absence. Toutefois, je tiens à corriger mes erreurs. Et c'est pour cela que je t'ai désignée comme l'unique héritière de ma propriété. Cela comprend ma vieille maison de campagne. J'ai joint la clé de la propriété à cette lettre. La clé de la porte d'entrée est quant à elle cachée dans un vieux vase. J'espère que cela te prouvera que malgré tout ce qui s'est passé, la famille a toujours compté plus que tout à mes yeux. Je te souhaite une vie pleine de joie et d'amour, et j'espère que ma vieille maison t'apportera autant de bonheur qu'elle a pu m'en procurer. Ton oncle Arthur. Quelle tragédie! C'est bien malheureux tout ça. Ok, donc à ce que j'ai compris, on a hérité d'une vieille propriété, la maison de notre grand-père ou notre oncle. Rien que ce train, il me fait flipper, moi, c'est un truc de fou. Donc alors, pendant qu'on regarde ces belles cinématiques, eh ben, je voulais dire que justement, donc les développeurs de jeu, c'est Visgame. Donc j'avais fait sur ma chaîne un let's play de Pinview Drive. C'est le tout premier let's play que j'ai fait sur la chaîne. C'est d'ailleurs la toute première vidéo qui a lancé ma chaîne. Et franchement, Pinview Drive, c'est un de mes jeux d'horreur préférés. Et c'est pour ça que j'attendais avec impatience celui-là. Car apparemment, ce jeu est conçu pour les fans de Pinview Drive. Donc du coup, si vous voulez aller voir dans les débuts de la chaîne, bah, le let's play de Pinview Drive, c'est bien cool. Ouh, regardez ça. Ils sont pas mignons, ces petits canards? Hein? Ok, d'accord. Donc, j'imagine déjà que la propriété, c'est celle-là. Ça sent pas bon. Déjà, ça sent pas bon quand on s'approche. Je vous le dis direct. Je le sens! Je le sens. Vas-y. Appuyez sur E, vous faites un clic gauche pour ramasser ou utiliser les objets. Très bien. Comme Pinview Drive. Alors je risque de dire souvent Pinview Drive dans cette vidéo. C'est très probable. D'ailleurs, il y a cette espèce de bruit dans les herbes qui n'est pas sans me rappeler le bruit de l'épouvantail. Donc seuls ceux qui auront suivi mon tout premier let's play sur la chaîne pourront comprendre ce que je dis. Mais ils ont carrément fait ça trop bien. C'est carrément un truc de fou. C'est juste magnifique. Avec la fontaine et tout, ça rappelle carrément le manoir de Pinview Drive. C'est juste excellent. Donc, la clé cachée dans un vieux vase, m'avait-elle dit. Et donc franchement, pour dire, Pinview Drive étant un de mes jeux d'horreur préférés, j'en attends pas moins de ce jeu. J'ai hâte de rentrer là-dedans, voir ce qui s'y cache. Si j'arrive à rentrer, parce que je sais très bien que Visgame, on le visse au niveau des énigmes. Dites donc, monsieur Visgame, je vois qu'on a un magnifique sens artistique. Très bien. Bon alors cette vidéo comportera, je pense, quelques coupures. Surtout pendant les moments où je vais galérer, comme là, chercher une clé. C'était quoi ce délire là? Il y avait un espèce de bruit de vent. Ah tiens, regarde donc. Impeccable. Bah mon vieux, bah je peux te dire qu'il était bien planqué, hein. Fallait aller le chercher le machin, hein. Parfait, on va pouvoir rentrer dans le grand manoir. Ça va être un truc de fou. Ce délire. Elle a pas pété un câble l'ombre là? Ou alors c'est carrément l'arbre qui a pété un câble, j'en sais rien. Ok, d'accord. On va vite se dépêcher d'aller rentrer au chaud. Ou pas. Ok, très bien. On y est. Ok, d'accord. Que d'émotions en rentrant dans ce manoir. C'est carrément pas sans rappeler Pinview Drive. Donc je vous dis, pour ceux qui auront vu mon premier let's play, ça va forcément vous rappeler quelque chose. Pour ceux qui ne l'auront pas vu, ben... ça vous rappellera pas grand chose.
Ok, c'est carrément pin view drive quoi, c'est pareil. Et franchement ça fait super plaisir. Ok, donc toujours les bougies à allumer. Ça a pas changé, yes, ok. C'est magnifique. Toujours cette horloge avec le temps qui passe hyper vite. Ça va pas changer ça. Il va faire nuit dans 2 secondes. Alors j'inspecte bien les lieux avant de rentrer. Allez vas-y, on est parti. Waouh. Ouais, carrément. Carrément. J'imagine que ça, c'est toujours pareil. Ok. J'ai carrément l'impression de rejouer à Pin View Drive. C'est un truc de fou. Ok, c'est fermé. On va ramasser ça. J'ai appris bien des choses au cours de mes voyages. J'ai notamment découvert qu'il reste de nombreux mystères que la science ne parvient toujours pas à expliquer à ce jour. Certaines choses apparaissent uniquement à la lumière d'une flamme. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Faut bien lire les notes parce que je peux vous dire que des fois il y a des indices là-dedans. C'était pareil pour Pin View Drive. Ok, la porte est fermée. Trouvez la clé. Oh, je me souviens, dans Pin View Drive, il y avait un clown aussi. Un satané clown qui nous foutait tout le temps les boules. Je délire. Ça, j'aime pas ça, mon vieux. Je te le dis, c'est le genre de truc, tu tournes la tête, tu te retournes. Soit il y a un machin qui apparaît, soit ça disparaît. Bref, on va allumer la lumière. Je délire, mon vieux. Oh, les trucs de malade. Ça, je peux te dire, hein. Je connais les vis du jeu, je connais direct. Ça, au bout d'un moment, les deux vont disparaître. Les deux vont disparaître, ou alors il y a les draps qui vont se soulever, ça va faire un truc de malade. Je le sais. Je connais tous les vis, mon vieux. T'inquiète pas, tu vas pas m'avoir. Très bien. On va se casser de là. Ouais. J'ai pas d'allumette. J'imagine que j'ai pas la torche pour l'instant. Ce délire. Les souris. Toujours là, ces fichus souris. Toujours là. Donc je vous conseillerais aussi de regarder la vidéo avec le son quand même relativement fort dans vos oreilles. Comme moi. J'ai le son, je peux vous dire, il est quasiment à fond. D'ailleurs, il est recommandé de jouer comme ça. Au tout début, quand on lance le jeu. Ouh, 10 allumettes. Tiens, j'ai le même canard. Ok, des allumettes, j'en ai à fond. Des piles. Oh, les piles. Ok, c'est carrément les mêmes piles que dans Pin View Drive. Je peux vous dire que c'est pas des Duracell. Non, les piles ils durent pas longtemps. Ça, c'est très précieux. Mais pour l'instant, vous aurez tout d'abord besoin d'une lampe de poche. Comme on a pu le remarquer aussi, bah carrément, c'est qu'on a un doublage français cette fois-ci. C'est ce qui nous manquait sur Pin View Drive. Oh, regardez. Ils ont mis une faux au-dessus de la porte, quoi. D'habitude, les superstitions disent qu'il faut accrocher un fer à cheval au-dessus des portes pour que ça porte bonheur. Je sais pas si vous connaissez cette superstition. Oh, putain. Il y a eu des bruits bizarres, je peux vous le dire. J'ai entendu. Ok. Oh putain de merde! Ok, tais-toi! Ça fait plusieurs jours que je n'avance pas dans mon travail. Très bien. Ça me fera peut-être du bien de changer d'air. Ok, très bien. Par expérience, je peux vous dire que là-dedans, il va y avoir des trucs qui vont apparaître. C'est obligé. Le délire, mon vieux! Je te jure, il y a des bruits bizarres. C'est un truc de malade. D'accord, très bien. Ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est fermé. D'accord, parfait. Ok. Ok, très bien. Bah, j'y étais ici tout à l'heure là. Ouais, j'ai ramassé Ok. Parfait, on va allumer des petites bougies. Ça va être bien cool. Ok. C'est bien, il se passe rien. Et bah c'est parfait. En haut c'est fermé, j'ai toujours pas la clé. On va allumer des bougies partout, moi je te le dis, mon vieux. Merde. Tiens. Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Alors, je les connais ou pas les ficelles? Hein? Regarde ça. C'est d'ailleurs, c'est ça qui a fait ça? C'est quoi ça? C'est une tapette à souris? Tiens, regarde ça. Je te dis, je connais les ficelles du jeu. Ok, on se casse de là. Ok, donc du coup, on a récupéré une clé.
je me casse de là. On a récupéré une clé, ça va peut-être ouvrir celle-là. Ah ah. Tiens, 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 une tapette à souris. Alors. Ok, d'accord. Je le saurai pour la prochaine fois. Parfait. La porte est fermée, trouver la clé. Ok, d'accord. Donc, du coup, c'est pas ici. Très bien. Ok, ça, on va laisser allumer. Ah oui, là, c'est là où il y avait le réveil tout à l'heure. Vous avez besoin d'une lampe de poche. Sans déconner. Non, parce que je vous dis, par la suite, ça, c'est sûr, il va y avoir une panne d'électricité dans tout le manoir. Je le sais. Je le sais. Franchement, si vous avez pas vu mon premier let's play sur Pinview Drive, ben, je vous conseillerais forcément d'aller le voir. Hein. Après, je veux dire, bon, bah, c'est mes toutes premières vidéos. C'est pas... voilà, j'étais pas toujours très à l'aise avec les commentaires et tout. Bon, bah, c'est pas la même qualité qu'aujourd'hui. Soyez indulgents, s'il vous plaît, si vous allez voir. Mais en tout cas, ça n'en demeure pas moins un très bon jeu d'horreur. Et franchement, c'est un de mes préférés. J'ai vraiment kiffé faire ce let's play. Ok! C'est carrément ici. Le délire, mon vieux. Vas-y, moi, par contre, comme d'hab... J'allume toutes les lumières. Je dis comme d'hab parce que je faisais pareil à chaque fois. Très bien. Vas-y, dis-moi. Bonjour Sarah. Salut. Je vois que tu as trouvé la clé de la maison. Ah oui. Je ne voulais pas que cela soit trop facile pour toi et je t'ai donc laissé quelques casse-têtes. D'accord. Résumé pour me prouver une dernière fois que tu seras une digne héritière de ma propriété. J'espère de tout cœur que tu parviendras à surmonter ces derniers obstacles. Pour les résoudre, pense à inspecter minutieusement la maison de fond en comble. Ok. Si tu ouvres bien l'œil, tu découvriras ce qu'il te faut pour accéder aux différentes parties de la propriété. Bonne chance. D'accord, je pense que je vais en avoir besoin de la chance. On va récupérer ça. Yes. C'est good. J'avais juré qu'elle était pas là, elle, tout à l'heure. Je te jure. Je jure, j'avais juré qu'elle était pas là. Non? Putain, je... Ça y est. Ça y est, je commence à sombrer dans la folie tout doucement. Je te dis, je commence à sombrer dans la folie. Ça. Ok, ça. Ah, bah tiens, regarde donc. Toujours rentre à tâtons dans les pièces, mon vieux. Je peux te le dire. Ok, d'accord, d'accord, très bien. Putain, les ombres, comment qu'ils font flipper, mon vieux. Oh! Un code. Ok, d'accord. On va essayer. 1, 2, 3, on sait jamais. Bon, bah, j'imagine qu'il va falloir trouver le code. Très bien, très bien. On se casse de là. Putain, oui, ça, va falloir que je m'y fasse. Oui, les portes se referment toutes seules. Les développeurs ont décidé que les portes se refermeraient toutes seules dans leur jeu. Putain, faut faire quoi? J'ai une clé là? Ah non, putain, faut que je trouve un code. Oh le délire! Oh! Oh 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 oh! Il y a eu un bruit bizarre là-haut. Ok, d'accord. Vas-y. La porte est fermée à clé. Trouvez la clé. Sans déconner. Très bien. Oh! Putain, elle est encore là, ce bruit de corde de pendu, là. Ah, bah, mon vieux, ça. Tu l'entendais à chaque coin de couloir, ce bruit-là. Je m'en souviens. Attends, parce que ça se trouve, c'est un truc avec les lustres, non? Un lustre. Attends, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 ampoules par lustre. Il y a 2 lustres, donc 6, 2. Je t'assure, hein, j'évoque toutes les possibilités, moi. Tellement tordu, ces jeux-là. Ça y est, il est ménupile. En général, on sait que c'est l'heure du crime. D'accord. Très bien. C'est fermé, ça. Oh, 6, 1, 8. Tiens. Ce délire. Oh, ce délire. Quand je vous dis qu'ils sont tordus, regardez. Ok, 6, 1, 8. Parfait. 6, 1, 8. Yes. Petite lampe torche. Appuyez sur F ou effectuez un clic gauche pour allumer ou éteindre la lampe torche. Clic gauche, ça marche pour...
Si tu lis cette lettre, c'est que tu as déjà résolu le premier casse-tête. Eh ben ça m'a pris du temps. La clé qui se trouve dans le coffre te permettra d'accéder à la prochaine partie de la maison. Très bien. Très bien, je prends. Ouais, ben les casse-têtes, mon vieux, si le premier casse-tête il est comme ça... J'ai peur de la suite, moi. C'était où les portes qui étaient fermées à clé? Il y en avait une en haut. Il y en a une là également. Ah bah yes, ok, c'est celle-là, impeccable. Waouh, ok, je pense que là, on rentre direct dans l'ambiance. C'est carrément plus glauque par ici. Waouh. Par contre... Oh, les bruits chelous, mon vieux. Par contre, je vais économiser la lampe. Vous voyez, on a la batterie en haut de la lampe, là. Ça doit être les 4 barres jaunes, je pense. Je sais que dans Pinkview Drive... Oh putain. Merde. Je me suis fait renfermer, mon vieux. J'allais dire, je sais que dans Pinkview Drive, la batterie de la lampe s'usait très vite. Donc je vais essayer de l'économiser. Le mieux, c'est d'allumer des bougies quand on peut. Oh non! Pas ça! Pas ça, mon vieux! Pas ça! Non! Alors ça, tu vois, dans Pinkview Drive, il y avait un clown. Je te... le délire. Il y avait un clown, tu tournais la tête comme ça. Et là, dès que tu re-regardais... Il était plus là. Il était plus là et il sautait dessus à un moment donné dans le jeu. Ah ah! Ah! Ça, je peux te dire que... ce délire! Elle a pas ouvert les yeux là? Ou c'est moi qui ai halluciné? Je pense que tu vas bien me faire chier toi. Oh là là, comment que c'est glauque par ici. Le délire! Vas-y. Allume la lumière. J'économise la lampe comme ça. Merde. Ouais, ok, d'accord. Téléphone. Oh, oh tiens, j'ai ramassé un vase. Oh, comment que je suis en stress à chaque porte. Je te jure, je suis en stress à chaque porte. C'est un truc de fou. Toi, il a pas tourné la tête, l'ours? Il était pas dans l'autre sens? Non, je vous assure, je suis en mode psychotage, là. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïa. Excellent, quoi. Vas-y, je me casse de là. Ils sont tellement fourbes avec leur jeu, this game. À chaque porte, tu te méfies. Je te promets qu'il y a un truc qui est capable de te sauter dessus, un jumpscare, un truc comme ça. Je te promets que je vais revenir. Le pantin, il est plus là. La petite fille, elle est plus là. J'en suis sûr. Ou alors, elle va me sauter dessus. Putain, c'est dingue comment que... Oh. Elle a pas un air triste par rapport à tout à l'heure, non? Je te jure... Je te jure que je suis parano, moi. Le délire, mon vieux. Attends, c'était fermé ici tout à l'heure. Non? Ah non, c'était ouvert. Des piles? Oh, ça me fait carrément penser aux pièces de Pinkview Drive, quoi. C'est carrément pareil. Ok, R pour recharger la lampe. Je vais éviter une clé. Je prends. Appuyez sur E ou clic gauche pour placer l'objet ici. Ah! Ah bon? Tiens. J'ai mis un vase ici. Trop fort. Oh. Bah tiens, bah je vais faire une collection de vases, moi. Oh non, je l'ai remplacé. Ça sert à quoi de prendre des vases comme ça? Bon, ça doit bien servir à quelque chose. Aussi, je me souviens que des fois, il y avait des machins qui te sautaient à la gueule par les fenêtres. Faut pas trop regarder par les fenêtres dans ce jeu-là. Disons qu'il faut éviter à tout prix. Ok, j'ai une clé en tout cas. C'est bien cool. Bon, très bien, j'ai une clé. À mon avis, ça doit ouvrir la porte au premier étage.
Oh le délire, comment que c'est glauque dehors. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là. Donc en fait, on n'a pas le droit de publier plus d'un certain temps de vidéos parce que tout simplement, j'ai pas le droit d'en montrer trop sur le jeu. Voilà, c'est malheureux, mais bon. Oh les bruits chelous. En tout cas, j'ai hâte de faire la suite avec vous parce que vous allez me donner du courage derrière la caméra. Ça, j'en suis certain. Et bah, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà. Voilà. C'est délire, mon vieux. Allez, ciao tout le monde. Bye.